Colipéi, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous, en un clic, et réunionnais du monde, vous présente l'autre côté de la mer. Aujourd'hui, dans l'autre côté de la mer, on parlera de retour aux sources, d'ambiance d'Ophée et de groove réunionnais. Début mars, la marque Quelli, une société réunionnaise spécialisée dans les produits de la mer à l'international, a invité 10 chefs réunionnais à découvrir leurs produits et à les cuisiner lors d'une journée riche en saveurs. Quelli, c'est une marque et une maison, on va dire, que nous avons créée dans le groupe en 2008 et qui a d'abord été au service de produits de la mer d'excellence, en commençant par notre crevette du Mozambique, qui est une crevette bio et qui s'est retrouvée sur la table des grands chefs en France et un peu partout dans le monde. Ça veut dire authentique en swahili, mais puis c'est un petit clin d'œil à la ville de Quelimane, qui est une ville du Zambèze, de l'état du Zambèze au Mozambique, et notre ferme se trouve à Quelimane. C'est, je dirais, une maison qui a l'envie de proposer des produits de la mer où il y a toujours une trilogie, une ressource vraiment naturelle et de très bonne qualité, qui est servie par un process d'excellence, que ce soit la technique de surgélation, la précision de la découpe. On travaille un peu, je dirais, avec un travail d'artisan, comme on façonne les produits. Et puis, on y ajoute le sur-mesure pour les chefs. C'est une marque et une maison aujourd'hui qui n'a qu'un seul objectif, qui est celui de servir les grandes tables dans le monde. Alors on sert des produits en France, mais aussi dans d'autres pays beaucoup plus lointains. Voilà, on a le rêve secret que ces produits puissent aussi se retrouver sur la table des particuliers. Mais aujourd'hui, les produits ne sont travaillés que par des chefs. Pour ma part, je vais préparer du filet de bar avec enroulé de pata negra, avec une petite mousseline de fèves, avec une purée de patates douces à la noix de tonka, et servie avec une sauce de bread mafan. On va vous faire goûter le Oraking, le saumon royal de Nouvelle-Zélande, qui est un produit magnifique. Donc là, on l'a préparé en sushi, juste flambé au final. Je vais vous proposer un petit tartare d'ormeau à l'huile d'olive vanillée, un petit jus de citron galé. Avec ça, je ferai aussi des crevettes carabineros juste snackées, avec un petit rougail zévi et un petit jus de crustacé. Il y a des chefs qui nous inspirent aujourd'hui, qui nous demandent si on peut faire des découpes qui serviraient plus des ceviches. Donc on a envie de continuer à travailler dans ce travail de découpe sur mesure. Et puis toujours de faire ces belles rencontres de producteurs, de pêcheurs qui nous amènent des merveilles à chaque fois. Pour préserver la fraîcheur, on a fait un choix qui est celui de la surgélation. Et on essaie toujours de donner du temps à la fraîcheur. Voilà. Je pense que nous, notre conviction, c'est que pour qu'un produit arrive frais à l'autre bout du monde ou dans une assiette, il faut trouver le moyen d'abord d'être au bon moment du produit, c'est-à-dire qu'on est tout de suite à la sortie des bateaux, on est tout de suite à la débarque, et ensuite de trouver la technologie qui permet d'encapsuler cette fraîcheur. Et la technologie de surgélation japonaise qu'on utilise, qui est une technique qui reproduit les conditions du champ magnétique terrestre au vrai nord, elle nous permet complètement ça. Le marché international, c'est une vraie fierté pour nous, parce qu'aujourd'hui on expédie des produits réunionnais comme la légine, des produits français comme la sole, le turbo, en 12 pays dans le monde, beaucoup en Asie. Donc on est présent à Hong Kong, à Shanghai, en Malaisie, à Taïwan. On est évidemment aussi présent dans des pays plus proches de la métropole, comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Et dans notre zone, on est également présent au Cap. On va faire trois assiettes. Un saumon fumé, donc c'est saumon Oraking de la marque Quelli, bien sûr, fumé aux herbes locales. Après, on va faire un filet de maquereau qui vient de Boulogne-sur-Mer, qui sera mariné au sirop la cuite et moutarde, avec une émulsion d'huître de Normandie, by Quelli, toujours pareil. Et après, pour finir, on va déguster des ormeaux, puis en basse température. On va vous proposer un pavé de lingue bleu en écailles de chorizo, avec un camaron carabineros, donc c'est un camaron rouge Ferrari, avec une sauce au citron fumé. Des pennes aromatisées au piment. Fais un peu plus de bruit là-bas.
aromatisé au piment et les sardines avec du pesto à la tomate. Moi, je vais préparer un sauté de solilès avec une crème de bagnoles et une purée de topinambour. Je le disais tout à l'heure en m'adressant au chef à la Réunion, Colli, ça reste quand même une maison réunionnaise. C'est une maison qui complètement fait partie d'Armement des Mascareignes, qui a été créée pour être au service de la ferme bio d'Armement des Mascareignes. Ça a toujours été pour moi une évidence que ces produits se retrouvent un jour sur des tables réunionnaises. Donc j'irai ce premier événement Coeli à La Réunion, c'est vraiment un moment de partage entre des gens qui aiment des produits et les proposent et des chefs réunionnais. Et ça, c'est peut-être le paradoxe de la goyave de France, vous savez. C'est-à-dire que nous, on est réunionnais, mais il a fallu d'abord faire nos preuves à l'extérieur avant de revenir chez nous et qu'on nous accorde un vrai crédit. Fin février à Paris, l'Indigo n'a pas failli à sa réputation. Son maloya contagieux a enflammé la deuxième édition de la soirée Afro Soup Beat Machine. Semaine dans l'agenda des réunionnais du monde, des soirées pour les fêtes de Pâques ou pour fêter l'arrivée du printemps. Vendredi à la salle des provinces françaises à Nanterre, Jean-Didier Warraud sera en concert au festival La Terre est à nous. Pour les amateurs de dancehall, le lendemain à Lyon, le Sound Factory vous propose la soirée Catherine Séduction. Et pour des fêtes de Pâques plus traditionnelles, l'association Piment des Îles organise un dîner dansant avec la présence de Gérard Ranger de Racine des Îles. Si vous aimez le chocolat, Made in Réunion Events et le restaurant Com organisent une soirée réunionnaise spéciale Pâques. Et pour une ambiance 100% Sega, rendez-vous à la Fiesta de l'Océan Indien à Cabane près de Marseille pour retrouver toutes les plus grandes stars du Sega réunionnais. Le groupe Sunry Feeling de la chanteuse réunionnaise Sandrine Singala et du musicien Richard Layan a remporté début mars le premier prix catégorie jazz du prestigieux festival Academia Music Awards à Los Angeles. Découverte. J'aime ce musicien dont les yeux brillent quand il joue. J'avoue que sa passion lui donne un peu un air de fou. Les notes qu'il diffuse rendent le temps un peu plus doux. Quand la musique s'éteint, je m'aperçois que j'y prends goût. Au détour d'une rue, la vie et le hasard ont permis à mes yeux de voir sa lumière. Grand horloger qui dirige les regards a su qu'il était temps pour la lumière. Je sais que ce prénom promet tant de richesse. Il fait vibrer les cordes avec tant de tendresse. Le rythme des percus réveille en toi l'ivresse. Et le son du piano m'invite à la lueur dans ses yeux capte la magie du moment. Et par les temps qui courent, moi je cours après ces instants. L'amour pour la musique peut effacer tous les tourments. Aux yeux de certaines femmes, à ce point-là, c'est insolent. Au détour d'une rue, la vie et le hasard ont permis à mes yeux de voir sa lumière. Grand horloger qui dirige les regards
toi l'ivresse et le son du piano. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans L'autre côté la mer, on parlera d'R&B réunionnaise au Maroc, de soleil polynésien et de manzé créole. Coli Pays, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et réunionnais du monde, vous ont présenté L'autre côté la mer.